comment? J'ai décidé déjà de prendre Guirlandin dans le groupe parce que il apporte de la fraîcheur, il revient de blessure, d'une grave blessure, il est très bien revenu vite, il a beaucoup d'envie et très dynamique et voilà, de la fraîcheur et voilà, c'est ça booste un peu pour booster un peu le groupe. Une recrue. Presque, quasiment. L'aspect mental a beaucoup compté parce que tu sens qu'il n'a pas vécu la première partie de saison qui a été traumatisante forcément. Oui, ça, et puis les autres étaient là aussi, et Guirlandin, il montre des belles choses à l'entraînement aussi, on connaît sa valeur depuis longtemps, on connaît son impact aussi dans le groupe, un garçon qui est très aimé dans le groupe et qui est capable d'entraîner aussi un peu les autres, et un grand professionnel comme les autres d'ailleurs, j'ai pas de souci avec ça sur les gardiens, donc voilà, qu'il apporte de la fraîcheur et ses qualités. Programmé de le voir On savait que dès le début mi-janvier, titulaire. bah, titulaire, non, mi-janvier, voilà, ça devait être la reprise avec le groupe en fait. Mais il était en avance, donc il a refait dès début janvier les bons entraînements. Il avait fait une bonne réduction quand même avec le préparateur physique et les kinés avant. Donc voilà, comme c'est un bon professionnel, il était un bel athlète. Il était en avance et voilà, il a repris l'entraînement. Il a fait tous les jeux, tout depuis la reprise. Et, voilà, moi je le trouve plutôt performant dans les jeux.